Bonjour à tous, bonjour à toutes les potes et bienvenue sur cette nouvelle vidéo Clash Royale. Évidemment, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ça fait, les potes, une semaine, vous vous rendez compte, une semaine, mais c'est tellement long, une semaine sans vidéo. Pourquoi les potes, je vous expliquerai ça au cours de cette vidéo. Voilà, soyez attentifs, plein de choses à vous dire. On s'approche du niveau 13 au fait, le niveau 13 qui va bientôt être là, voilà ici. Ça, je sens que ça va m'arriver, je vais pas être prêt, ça va être en pleine vidéo. Je vais pas être prêt du tout. Bon, les amis. Aujourd'hui, je vais vous présenter trois decks avec avec une carte, voilà, qui n'est petite carte, voilà, petite carte toute nouvelle, un peu forte, pas trop non plus, faut pas trop lui en demander. Non, c'est une carte totalement abusée, le Fantôme Royal. Est-ce que vous l'avez? Dites-moi ça dans les commentaires. Dites-moi si vous avez débloqué le Fantôme Royal. Trois decks sympathiques, le deck numéro 1, le deck numéro 3, le deck numéro 4. Bon, le deck numéro 4. Ce sera le dernier deck qui l'a abusé. Voilà, faut pas se mentir, vous allez voir, c'est un truc de malade. Les potes, on va commencer par le premier deck, qui est un deck Molozola. Bon, on va se le tenter en ladder, on a 4400. Et ensuite, on fera du super défi, voilà, on fera du super défi, tout simplement. Ok, alors, premier deck. Molosse de lave, Fantôme Royal. Oh, attention les bébés, oh les petits bébés. Alors ça, vraiment, le beau jeu. On a des petits squelettes, voilà, qui coûtent 1, qui nous permettent justement de baisser considérablement le coût du deck. Ok, on a bien défendu, très bien, on va placer une petite méga gargouille, on va voir comment ça joue en face pour Braxiro. On va voir ce qu'il a, ok, ça part en bûche, d'accord, donc le gars il a rien, du coup on a un bon avantage d'élixir, on voit que ça a joué barbare des... Oh là là, ça joue géant les amis, alors là, le géant. Ok, alors là, mange mon Fantôme Royal. Attendez, tac, voilà. Alors, le Fantôme Royal, du coup, qui va se mettre à taper. Ok, donc là, petit zap. Tac. Oh, parfait, le zap qui a pris les gargouilles. Ok, hop. Donc là, malheureusement, on n'a pas grand-chose pour gérer les gargouilles. Si, la méga qui se retourne, elle met des calottes. Ok, ok, très bien. C'est parti en flèche. Ok, il avait les flèches. Contre-attaque avec un petit mineur qui permet de protéger les petits squelettes. Regardez, ils sont là. Ok, ça force une bûche. Le gars a quand même eu une bûche pour gérer ça. On va placer les gardes en offensive. Voilà, comme ça les petits gardes, s'ils sont pas défendus, ça va faire un gros massacre. Ok, ils placent le zap. Donc on a du zap, de la bûche, des barbares d'élite et du géant. Voilà, c'est vraiment les cartes un peu maîtresses. Retenez toujours les sorts de l'adversaire. Et voilà, et les autres cartes, évidemment. Mais pour cela, il faut avoir une grosse mémoire comme moi. Ok, bon je rigole, hein, j'ai pas du tout une grosse mémoire. Oh, ça joue cimetière, intéressant. Donc là, okay, Fantôme Royal pour défendre. Ça va être chaud, on va partir sur un petit zap. Mais là, la tour elle est quasiment décédée, hein. La tour est quasiment en ripense. Voilà, c'est la ripense de la tour. Oh là là, mais quel dommage, quelle catastrophe. Mais ne vous en faites pas, regardez, vous voyez le petit éclat de soleil là. Est-ce que vous l'avez vu? Le petit éclat de soleil, ça veut dire qu'on va gagner. Non mais je jure, c'est un truc ouf, le studio devient tout jaune. Bon, alors ok, là on va prendre la tourelle sans aucun problème. Ok, il faut encore quelques instants, okay, quelques instants. Vas-y, c'est bon, c'est bon. C'est qu'une histoire de seconde. Allez, mets ton géant. Là, j'attends... Oh là là, magnifique, le géant qui était mis de la part de l'adversaire. Ok, donc là, il est beaucoup trop agressif. On va partir en mineur défensif. Sachant qu'on a déjà pas mal de choses. Allez, on part sur un petit zap en plus. Voilà, c'est nickel. Et la contre-attaque qui n'est pas vraiment possible. Bah, écoutez, ma foi, les potes. Il a plutôt très très bien joué. On part en molosse de lave. Allez, c'est maintenant. Molosse méga gargouille. Donc voilà, là, c'est un premier petit deck, les potes. Hein, vraiment très sympathique. Après on peut très bien perdre, hein, c'est vrai, on peut très bien perdre avec. Mais voilà, c'est un deck molosse très fort. Allez, c'est pas perdu. Oh, le petit garde que j'aurais dû mettre sur le cimetière, quelle catastrophe. Allez, on va du coup partir sur un petit zap. Ok, pour gérer les quelques petits squelettes qu'il y avait. Ok les potes, allez, la contre-attaque, pêchez comme vous voulez, en anglais ou en français. C'est magnifique. Oh là là, le joueur français qui s'enflamme. Le joueur français. Oh là 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 là, mais quel massacre. Oh là là, mais quel dommage. C'était vraiment un super combat. Allez, on va être super combat. Bon, premier deck sympathique, comme vous pouvez le constater. La team charrette toujours là. Voilà, petit deck très sympathique. Si je vous remets la decklist, Fantôme Royal de niveau 1, qui marche très très bien. Voilà, donc c'est en fait un deck avec le molosse mineur, les petits gardes pour contrer, voilà, notamment les mineurs, notamment pas mal de choses. On va partir les potes sur un deuxième deck. Et là, pas pareil, puisqu'on est sur un deck assez compliqué à jouer, voilà. On est sur du 3 mousquetaires. Donc, qui dit 3 mousquetaires dit retenir les sorts de l'adversaire. Retenir en fait tout ce qui peut faire du mal aux 3 mousquetaires et ne pas jouer n'importe comment. Allez, on va partir en 3 mousquetaires directement. On part en 3 mousquetaires directement. Et justement, ce petit Fantôme Royal va nous permettre de gérer pas mal de choses avec ses dégâts de zone. C'est vraiment fabuleux. Alors, on part en petite attaque sur la droite, hein, avec notre mineur. Ok, le géant royal qui est là. Aïe 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 aïe, c'est dommage. On a. Oh, le mineur!
Ok, qui se met des coups, c'est pas mal. La mousquetaire, ok. Là, on va partir sur un zap très bien placé normalement. Ok. Et là, il faut partir sur une... Oh là là, est-ce que c'est le mineur qui tank? Putain, c'est pas possible, c'est le mineur qui tank. Non, les amis! Quel dommage! L'agression! Oh là là, c'est mort, c'est terminé là, c'est terminé. Hein. Oh là là, il nous a mis tellement cher avec son GR. Quel brut! Quel brut, il nous a totalement détruit. Bon, bonne nouvelle, c'est que justement, c'est pas terminé. Voilà, c'est pas terminé, on a notre extracteur d'élixir, notre petite pompe, qui va nous permettre, évidemment... Oh là, c'est parfait ça, ok, le Jean Royal. Est-ce qu'il a les flèches? Est-ce qu'il a les flèches, le gars? Oh là là, il a les flèches, mais c'est pas possible! Chaque fois que je joue la Horde, ça a les flèches en face, c'est pas possible. Allez, le Jean Royal, vas-y, vas-y, mets-le. Les potes, je voulais vous dire, le Jean Royal, j'ai un petit problème avec. C'est-à-dire que, en fait, j'arrive jamais à le défendre. Voilà, c'est une troupe, j'arrive jamais à le jouer. Ce que je vous proposerai, ce sera sûrement une vidéo très bientôt où je vais jouer le Jean Royal. Justement, quand vous avez du mal pour contrer une carte, ce que je vous conseille, c'est de la jouer. Comme ça, vous verrez comment les adversaires vous contrent. Tout simplement. Allez, oh bah là autant dire que chevalier niveau 13 contre fantôme royal niveau 1. Voilà, même si le fantôme royal est fort, il y a quand même une petite différence de niveau, frérot. Allez, du coup, ça a les flèches en face. On va partir sur un petit... Oh là là, un petit push 3 mousquetaires, c'est pas mal ça. Ok, il va nous prendre. Allez hop, le petit zap. Il va nous prendre la tourelle là, hein. Qu'est-ce que vous en pensez? La tourelle elle tombe ou pas? Aïe 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 aïe, 112. Oh, j'ai mal à mon trapas. J'ai mal à mon trapas, mes amis. Quelle catastrophe, allez, fantôme royal devant. Fantôme royal, golem de glace. Allez, là on va tout pousser. On pousse tout. Ah ouais, les barbares. Ouais, non, mais là je vous le dis, hein, barbares c'est vraiment ignoble. Hein. Les barbares à défendre, hein, c'est vraiment très très fort, je trouve. Allez, les flèches forcément qui ont été remises. À part là, il joue bien. Hein. Il joue bien. Il a les bonnes cartes hein, pour me contrer, c'est vrai. Ah là, le zap. Et oui, là forcément, les amis. Là, on est dans une situation absolument catastrophique. Et voilà, ça va être une défaite. Bon, voilà, les barbares très très forts. Moi je vous les recommande, hein, les barbares, franchement je trouve que c'est vraiment très très fort. Allez, il essaie de me troller avec un mineur. Oh là 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 là, il essaie de me troller le mec. Avec son petit mineur défensif là, les barbares qui me compte très très bien. Bon, rien à dire, rien à dire, voilà. Très bien joué de la part de l'adversaire. C'est dommage que je n'ai pas de boule de feu dans mon deck. J'aurais pu du coup gérer ces petites hordes et tout. J'ai pris très cher sur ce début de partie. C'est dommage, c'est comme ça. C'est comme ça, alors après, les potes, je vous propose un truc. Comme ça fait une semaine que j'ai pas fait de vidéo, on va refaire une game avec ce deck. On va espérer qu'il n'y ait pas les flèches en face. C'est vrai que les flèches, enfin, dis-moi ce que vous en pensez, mais moi j'ai l'impression qu'à chaque fois que je joue la Horde, il y a les flèches. Voilà. Est-ce que c'est de la mauvaise foi? Oui. Voilà, comme ça au moins c'est dit. Allez, on va essayer de pas être aussi agressif que tout à l'heure. On avait mis les 3 mousquetaires dès le départ. C'était une grosse erreur, hein. On va pas se mentir, les 3 mousquetaires dès le départ, c'est pas forcément le meilleur choix. Meilleur choix à faire. Ok, donc là on va faire pareil que le gars nous a fait tout à l'heure. Voilà, on va faire une petite contre-attaque. Et là, il n'y a plus rien, frérot. Et là, voilà. Oh, il a sorti trop, c'est pas possible. Oh là 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 là. Allez, on part sur un petit zap. Oh là, mais c'est... Non, mais je... Non, mais attendez. Non, mais c'est pas mal, en fait. C'est pas mal. Ah ouais, donc là, attendez, 3 mousquetaires, bon. On va avoir du coup la tour qui va taper. Allez, on va tomber sur les coups des 1000 points de vie, 900. Oh là, il y a beaucoup d'émotions, hein, beaucoup d'émotions, là, dans ces deux dernières parties, là, c'est beaucoup trop pour moi, messieurs, dames. C'est beaucoup trop pour moi. Allez, on a une petite Valkyrie, mais forcément, la Valkyrie sur les mousquetaires, mais oui. Mais pourquoi pas, après tout. Après les barbares, la Valkyrie. Mais oui. Allez, vas-y, mets ta Valkyrie, voilà, parfait. On va partir sur... Oh là là, la sorcière qui est juste devant. Oh, oh, comment je prends cher les potes. C'est un truc de ouf. La sorcière qui est passée juste devant. Allez, fantôme royal qui va taper sur cette sossotte. La sossotte qui est détruite. Allez, comment tu vas défendre ma petite... Eh ben ok, tu me défends avec une mousquetaire, très bien. Là, je vais te la détruire, mon gars. Allez. Ah, niveau 2, il serait bien. On va pas se mentir, les potes, niveau 2, il serait incroyable. Allez, il va me refaire un brain tout derrière. Allez, hop, ça, mon gars, c'était prévu. Bon, faites-le une fois, pas deux. Hein. En général, ça marche qu'une fois. Allez, la confiance reprend le dessus. Tu vois, la confiance, elle est revenue. La confiance était là, on est passé là. Attendez, c'est pas terminé. That's not finish, comme on dit chez moi, en Amérique. Allez, on est parti sur les 3 mousquetaires. Oh là là, les mousquetaires qui ont été pré-shot, c'est magnifique. Le golem de glace. En fait, j'ai mis pour essayer de faire un truc stylé, mais ça a pas marché. J'ai essayé de faire, tu vois, que le cochon soit repoussé. Ça a pas marché du tout, frérot. Allez. Ok, le petit mineur, donc là, attention, là c'est compliqué les potes, on a fait un peu n'importe quoi. Là c'est un peu la décadence là, la débandade, pardon. Oh là 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 là, ça va être chaud.
Ça va être très très... Oh là là, les trois mousquetaires. Allez, on sauve cette tourelle avec les trois mousquetaires. Allez, la Valkyrie qui est là. Golem de glace. Ok, ça va, la tour qui s'en sort bien. La tour qui est en pleine forme. 1000 points de vie. Pendant qu'on est à 1200 points de vie contre A97. Allez, allez. Allez, où c'est que tu me l'as mis? Allez, tu me le mets au centre. Voilà, tu me le mets normal. Mais voilà. Allez, allez. Le sorcier électrique. En face. Ok, oh, les deux coups de mousquetaire. Ça, ça fait plaisir, frérot. Allez. Tac. Oh, 70 points de vie. C'est bon, les potes. C'est gagné. Magnifique avec le petit fantôme royal de niveau 1. Je vous le rappelle. Fantôme royal de niveau 1. Ça passe jusqu'à 4400. Écoutez. Voilà, moi je dis que c'est une très bonne carte. Ok, bon, on peut faire la dernière en ladder aussi hein. Dernière en ladder les potes avec... Alors peut-être en défi parce que ça permettra d'être un peu plus... voilà, d'être en défi, ce sera peut-être un peu mieux. Sachant que j'ai pas des cartes de folie. Allez, super défi avec le... troisième deck. Troisième deck est un deck utilisé notamment par notre joueur français Doberman au Sear Worlds, voilà, à la coupe du monde de Clash Royale. Bon, si vous voulez tout savoir les potes, hein, je vous le dis, petit placement de produit gratuit. J'ai une émission télé qui est en fait ES1. Donc voilà, j'ai mon émission qui s'appelle Trap, qui parle de l'actualité e-sport des jeux mobiles. Et croyez-moi, il y a beaucoup beaucoup de choses. Il y a beaucoup de jeux, donc si vous voulez voir tous les événements, tout ça, rendez-vous sur la chaîne ES1. Voilà, c'est très important. Voilà, c'est une chaîne que j'anime les potes, vous savez, je suis présentateur télé maintenant. Donc écoutez, n'hésitez pas à aller voir ça si vous voulez être au courant de tous les événements. Alors, et je sais plus quel joueur disait, mais apparemment maintenant en super défi c'est la folie hein. Les joueurs sont extrêmement chauds. Et alors qu'avant on avait des joueurs voilà, qui étaient bof bof. Maintenant on a que du très très lourd en super défi. Surtout quand tu as passé quelques victoires. Oh non, le dernier coup de cochon qui n'est pas mérité, Jean-Michel. Non, je suis pas d'accord là. Là je suis pas d'accord. Allez, machine volante. C'est un petit combo qui est vraiment très très fort hein, machine volante. Ouais, effectivement, machine volante, fantôme royal, c'est vraiment un combo du moment. Voilà, c'est la tendance actuelle. C'est un combo fantastique, comme vous pouvez le constater. La tour qui est quasiment perdue par l'adversaire, le petit smiley. On essaie de troller un peu, parce que voilà, je suis pas non plus très très serein avec son cochon en face. Mais voilà, ok. Non, je suis content, non, pas se mentir, je suis content. Non, mais je suis très heureux. Very happy. Alors là, on va placer une petite charrette, hein, voilà, la petite charrette. Alors, il abandonne pas en face. Évidemment, il n'abandonne pas, pourquoi? Parce qu'il ne faut jamais abandonner. Voilà, hop, allez, golem de glace devant pour protéger, tac. Oh, on est toujours pas dans le temps x2 malheureusement. On attend ce petit temps x2 comme le nouvel an. On l'attend vraiment impatiemment de mon côté hein. Je préfère vraiment jouer quand il y a deux fois plus d'élixir. Comme je suis un joueur qui est pas très patient, vous le savez. Alors, on va partir sur un petit fantôme royal, mauvais pré-shot, c'est pas grave, machine volante. Et on aura une belle contre-attaque derrière. Malgré tout, ouais, malgré ça, ouais, la machine volante va passer devant. Donc c'est pas ce qu'on voulait, on veut évidemment que le fantôme royal soit devant. Voilà, allez. Oh là, la machine volante qui est toujours là, ok, qui a fait le boulot. Magnifique, oh là là, le poison qui va se mettre bien. Allez, la victoire du trapounet. Comme d'habitude, non, je rigole. Un peu d'autodérision, on peut rigoler. Allez, reviens. Reviens, Jambi! C'est pas terminé! Je peux encore prendre une branlée, les potes! Il faut le dire! Je peux encore prendre. Ah, attendez, parce que là, on a totalement tilt. Le tilt est total! Allez, charrette à canon. La charrette à canon que je kiffe. Hein. Voilà, très rapide comme moi. Voilà. C'est vrai que moi, j'aime bien quand ça va très vite sur Clash Royale. Je suis pas vraiment très patient, comme vous avez pu le constater. Donc. Je mets les troupes dans le vide, mon gars. En fait, je mets les troupes un peu n'importe comment. Oui, le 3. Profile 2. Frérot, je te jure, j'ai appuyé sur une touche de mon clavier sans faire exprès. Du coup, j'espère que vous n'avez pas eu un petit message, ok. Bon. Les amis. Magnifique. Je vous remets les 3 decks. Oui, 3. 3 decks, incroyable. On fera peut-être une vidéo sur chaque deck. Voilà. Premier deck, Molos. Allez, on va dire... allez, 13 sur 20, voilà, 13 sur 20. Deuxième deck, voilà, qui est le deck numéro 3. Donc là, c'est compliqué, il est compliqué à jouer, mais je vais mettre, allez, 14 sur 20. Et lui, 16 sur 20, voire 17, allez, on va dire 17 sur 20. Un deck fantastique, les amis, à tester absolument. Merci d'avoir suivi cette vidéo, les amis. Incroyable vidéo aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous, kiss kiss, et puis à très bientôt. Ciao, ciao.